Faites bien de nous regarder sur Manseba Télévision, mais aussi à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Sentez-vous salués, sentez-vous aimés à travers cette émission Gospel Time, le moment de l'Évangile que nous avons l'honneur de vous présenter chaque mardi à pareille heure, mais aussi jeudi en rediffusion. Merci à vous tous qui continuez à nous regarder à partir du Cameroun. Hein. Beaucoup de gens commencent à nous écrire déjà de l'autre côté du Cameroun. Il y a des musiciens qui nous écrivent à partir du Cameroun, mais aussi il faut vous dire que nous allons recevoir un musicien qui nous suit à partir de l'Inde. Il s'appelle Eli, hein? C'est un Congolais qui évolue en Inde. Nous allons faire la technologie, la magie avec nos réalisateurs qui sont de l'autre côté, derrière toutes les caméras. C'est une occasion pour moi de vous le présenter. Steve Micha est derrière les caméras, les différentes caméras, bien sûr, ensemble avec le frère Samy en train de faire ce très, très bon travail. Nous sommes en train de dire merci à Orphée Dikomeno et aussi à Addison Kamoji qui sont là, n'est-ce pas, pour la régie finale. Nous disons merci à la supervision du DG Eric Achekichi, mais aussi au président Serge Manseba. Merci pour la confiance. Merci pour l'espace que vous nous accordez. Nous n'allons pas oublier de dire merci à notre manager Paterne Mufungizi, ensemble avec Maman Chati Domina, qui sont toujours derrière à cette émission pour nous donner de conseils, pour faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Nous n'allons pas oublier l'endroit qui nous reçoit, hein, Complexe Mélissa Georges. Nous sommes en train de saluer tout le personnel du Complexe Mélissa Georges. Vous voulez passer un bon week-end en famille, avec les enfants, avec votre fiancé. En tout cas, c'est sur du 30 juin, hein, le seul rendez-vous. Sur du 30 juin, vous dépassez Chitourou. Vous allez trouver ces beaux cadres sur lesquels nous sommes en train, bien sûr, de passer cette émission. Comme vous le savez, nous n'allons pas être très longs, parce que nous allons à passer des bons moments ensemble avec nos invités. Comme vous le savez, dans cette émission, nous avons trois parties où nous allons d'abord dire un merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Nous allons donner quelques informations, quelques actualités. Et la troisième partie sera consacrée, n'est-ce pas, à nos invités. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux frères bien qui évoluent ici chez nous à Lubumbashi. Nous allons recevoir le frère Jonas Mukendi et aussi le frère Rudy Bila. Ce sont des bons musiciens, des gens qui craignent Dieu, qui évoluent ici chez nous à Lubumbashi. Vous le connaissez d'ailleurs, hein, comme vous allez le voir. Il y a certains qui le connaissent déjà par le nom. Ce sont ces deux-là qui seront nos invités. D'ici là, nous allons déjà prendre cette rubrique qui marque la deuxième, plutôt la première partie de l'émission, où nous allons dire merci à l'Éternel Dieu des armées, on revient juste après.
déjà tout mort. Tout déjà tout mort. C'était là le chant du jour qui nous a permis de dire merci à Dieu. Nous avons déjà, nous allons plutôt déjà entrer dans cette deuxième partie derrière cette transition. Voilà, merci pour cette transition. Merci à Orphée du Comeno et à Aldison. Cette transition qui nous permet déjà de parler des actualités de nos vaillants musiciens qui évoluent chez nous en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde entier. Ici, nous n'avons que deux informations. La première, c'est le dernier virage de Maman Bijou Ben qui vous demande d'être là ce samedi 4 juin. Du 30 juin dans la salle Horizon, nous allons aller célébrer ensemble Maranatha. Hein? Nous vous avons parlé durant tout un mois dans cette émission, sur cet événement. Il ne nous reste que quelques deux ou trois jours pour célébrer ensemble avec Maman Bijou Ben. Les billets continuent à être vendus, même le jour de la manifestation, le jour de la célébration devant Horizon. Vous allez, n'est-ce pas, payer votre billet, vous allez entrer sans problème aucun. Mais nous tenons quand même à vous dire qu'il y a, les places sont vraiment limitées. Il faut faire rapidement pour ne pas rater la place. C'est deuxième information où nous allons vous parler de la célébration soirée de gloire ensemble avec le pasteur Joël Kaboué. Ce sera le 11 juin. D'ailleurs, le 11 juin, c'est l'anniversaire de cette émission. Hein. L'émission Gospel Time aura maintenant un an. Nous allons célébrer ensemble cette journée avec le pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Joël Kaboué. Ce sera sur Baylis, à la salle Baylis au niveau du Carrefour. Hein. Vous êtes au niveau du Carrefour, vous demandez la salle Baylis, vous allez retrouver facilement l'entrée et vraiment gratuite. Il nous a envoyé une vidéo d'annonce que nous allons devoir vous proposer. On revient juste après pour la troisième partie de notre émission. Voilà, c'était là cette petite annonce du pasteur Joël Kaboué pour son événement Soirée de gloire pour le 11 juin 2023. Nous allons prendre cette transition pour, n'est-ce pas, accueillir déjà nos invités qui sont déjà entre nos murs. <musique>
Merci de nous être fidèles. Comme nous vous l'avions dit juste après cette transition, nous allons recevoir déjà les hommes de Dieu avec qui nous sommes ici. Nous allons commencer avec le frère Rudy Bila qui est déjà avec nous comme vous êtes en train de voir les décors à changer. Bonjour frère Rudy. Bonjour papa. Vous allez bien? Je veux bien par la grâce. Karibu sana kwa émission et tout. Je suis très ravi d'être passé ici. Voilà, frère Rudy, qui êtes-vous d'abord avant que nous puissions parler d'autre chose? Les gens veulent savoir qui est frère Rudy. Oh, frère Rudy, qui est-il? Je suis premièrement enfant de Dieu, okay. Né de nouveau. Je suis issu d'une famille, d'un père chrétien et d'une mère chrétienne. Et je suis totalement consacré à Dieu depuis mon jeune âge et Dieu nous a fait grâce. Nous sommes... actuellement adorateur, bon, pas actuellement, depuis un temps, Dieu nous a fait grâce, nous sommes adorateurs, oui. Dans l'église et dans l'église en général. Voilà. Et vous avez un groupe à vous ou bien vous êtes choriste ou chantre dans l'église? Tout d'abord, je suis responsable donc, du département de louanges, okay. Vice-responsable, je voulais dire. Ouais. C'est quelle église déjà qu'on salue aussi le pasteur? La nouvelle cité de David que dirige mon père spirituel, le pasteur Gauthier Louala. Ah ok. Je les salue et maman en passant. La nouvelle, c'est NCD. NCD. NCD, ce n'est pas chez le pasteur Zachary ou... Justement, une branche de papa Zachary, oui. Qui est maintenant Iwabora. Ah oui, Iwabora, là je vois au niveau de Antenne. Antenne, ouais. Tout près de Belle. Tout près de Belle, je connais, oui. Alors, c'est depuis 2012, il a plu à Dieu de nous donner une responsabilité au sein de cette église. À nos jours, je suis chef d'orchestre et je joue plein de rôles. Entre autres, conduire le modérateur, le conducteur de louanges chaque dimanche aussi. Voilà. Et en dehors de ça, j'ai aussi un petit groupe qui m'accompagne chaque fois que j'ai des prestations à gauche, à droite. Oui. C'est donc Dieu nous a imprimé dans le cœur de ses enfants. Oui. J'ai un groupe d'instrumentistes et vocalistes en même temps. Comment vous l'appelez petit? Petit, c'est par rapport au nombre ou bien... Bon, je ne sais pas comment vous situez ça. J'ai dit petit parce que j'ai appris une phrase de mon bassiste. Il dit, lui, il est un éternel apprenti. Ouais. Donc, ce qui est vrai, nous sommes encore petits. Chaque fois que nous arrivons devant une personne très expérimentée, nous sommes encore petits. Et nous n'avons rien mérité. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Raison pour laquelle nous sommes encore petits. Nous portons la chose de Dieu en cette expression-là. Et ce groupe-là, c'est comment déjà le nom du groupe? La race des adorateurs. La race des adorateurs. C'est pas seulement les gens de NCD. Ils sont... Comme mes réalisateurs, s'ils veulent être dans ce groupe-là, c'est facile d'entrer. En tout cas, là, on ne refuse pas. Une race des adorateurs, c'est par là qu'intervient la différence. La Bible dit que tout ce qui respire loue les seigneurs. Ouais. L'adoration appartient à un groupe de gens qui se sont faits intimes à Dieu. Okay. Et si nous nous sommes faits intimes, automatiquement, nous sommes devenus une race élue des dieux. Vous voyez? C'est différent de tout celui qui respire. Tout à l'heure, si vous essayez de mettre vos oreilles dehors, vous allez entendre les cris des oiseaux. Oui. Quelque part, quand vous passez, il y a un musicien qui est en train de chanter. Vous allez entendre, il cite Dieu dans son chant. Lui, il respire. Ouais. Maintenant, pour entrer dans cette phase-là d'adoration, il faudrait être intime à Dieu. L'adoration n'est pas donnée à n'importe qui. Oui. Là, c'est découvrir, permettez-moi le terme, la nudité des dieux. Là, c'est une autre partie de choses que nous devons normalement expliquer, mais je préfère m'arrêter par là. Ouais, ça va, voilà. Et là, avec le groupe, vous avez déjà quelques chants que vous avez sortis, vous avez ou bien un album, je ne sais pas. Effectivement, nous tendons vers un maxi single. Un maxi single, c'est depuis 2016 que le Seigneur nous a inspirés sur certains chants jusqu'à nos jours. Oui. Et il y a des très bons chants en tout cas. Il y a des featurings que le Seigneur nous a donnés. Nous avons déjà quelques chants. Avec qui par exemple les featurings? Ou bien c'est encore un secret? Bon, c'est pas un secret. D'ailleurs, pour le mois prochain, nous vous annonçons la sortie de ces featurings. Ça sera le mois prochain. Oui. Parce que nous l'avons commencé il y a
Depuis l'année passée, c'est le mois prochain que ça va sortir, c'est avec Papa Franck Moulaja. Ok. Et une sœur qui est de mon groupe aussi, elle chante merveilleusement bien, la sœur Naomi Ilunga, que je salue ici. Okay. En tout cas, vous aurez le temps de découvrir cette sœur. À part elle, il y a la sœur Ruth Faya. En tout cas, il y a des très bonnes choses qui arrivent. Ouais. À part ça, est-ce que vous avez déjà réalisé un ou deux chants que nous pouvons peut-être proposer à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à partir de la maison? Effectivement, nous avons déjà réalisé deux chants qui sont déjà, trois chants qui sont disponibles sur YouTube. Il y a le premier chant que j'ai reçu, j'étais encore sur le banc de l'école, c'était à Sekoui. Dieu nous a inspirés sous cet angle-là et nous avons reçu autant d'inspiration sur la mort et la résurrection de Jésus. Le chant est intitulé « À Sekoui ». C'était ma première production à faire depuis 2016, une production que j'ai reçue de mon président Magadjou, que je cite ici, et je salue déjà en passant. À Sekoui, il y a « Sitakuwa Chakam », ça c'est mon témoignage. Et le tout dernier numéro que nous avons eu à sortir, c'était Ebenezer. Oui. Vous connaissez Maman Rosette? Maman Rosette Meta. Maman Rosette Meta, que je suis en train de saluer. Ça c'est une maman pure à moi. C'est l'une des premières invitées de cette émission. Ok. Ouais. En tout cas, ça, je passe beaucoup de temps avec elle. C'est une maman. On se conseille. Parce que vous êtes d'une même église. Non seulement ça, il y a un problème, c'est que les esprits communiquent. Ouais. On peut être d'une même église, mais les esprits ne communiquent pas. Ouais. Ça, c'est une maman pour moi, que je respecte beaucoup. Je m'étais seulement, parce que c'est une maman que je respecte beaucoup. Je respecte son onction. Ouais. Je respecte l'onction de son mari également. Elle a de l'avenir en tout cas. Ah, voilà, nous saluons Maman Meta, Rosette, en train de nous écouter comme ça. Sentez-vous salué par cette grande équipe de Gospel Time, mais aussi par le frère Rudy Bila, que nous sommes en train de recevoir. Frère Rudy, vous avez dit, on leur propose quel titre? Il y a un chant déjà en visuel, donc en vidéo, si je veux dire. C'est ce qu'on peut proposer à nos téléspectateurs qui peuvent aussi retrouver ces chants sur YouTube s'ils veulent l'avoir. Nous allons prendre ce titre « Sitakuwa Chakamwe » du frère Rudy Bila. On se retrouve juste après. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous a rassemblés autour de lui, celui qui nous a rassemblés tous auprès de lui? Lui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est celui qui a touché, il touche et il va toucher en ce jour. Semana ya kugu semara ingine. Semana ya kugusa, fazi mtu astaweza kukugusa. On y va. Inaomba. Niguse. Shida zangu naleta kwako. Uzima wangu na utoa kwako Baba. Ninaomba niguse. Akili zangu naileta kwako. Ah, frère Rudy, merci beaucoup pour ce chant, belle réalisation, félicitations. Ah, merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. Nous sommes en train d'aller rapidement vers la fin de notre entretien, parce que nous allons recevoir aussi un deuxième invité. Est-ce que vous avez des projets à venir pour que le peuple de Dieu qui vous regarde puisse avoir ça à cœur? Oui, nous,
Nous ne manquerons pas à avoir de projets comme toute année qui commence. Un chrétien normal qui se respecte doit avoir de projets, notamment le projet de croiser Dieu dans une nouvelle dimension. Être une bénédiction dans le royaume encore. En dehors de cela, nous avons aussi nos propres projets que nous avons faits. Pour cette année, il y a des productions que nous sommes en train de vouloir faire dans les très peu de jours qui nous restent. J'ai parlé de la sortie des deux chants au même moment. Ça sera à une date dont vous allez connaître le nom très, vous allez connaître très bientôt. Et c'est le mois prochain, mais nous allons vous donner la date en coulisses. Et au mois d'août, nous avons aussi une production. Nous allons aussi vous donner la date. Et au mois de décembre, nous avons encore une production en réveillon. Voilà. Voilà, frère Rudy, nous allons vous demander de donner votre numéro de contact et saluer quelques personnes. Mais vous n'allez pas quitter le plateau parce que nous allons recevoir un deuxième invité. Okay. Avec lui, nous allons nous entretenir, mais à la fin, surprise, vous allez faire quelque chose à deux. vous ne vous attendiez pas à ça. Okay. Voilà, ça sera la surprise, monsieur. Si vous allez interpréter un chant de vous, si vous allez interpréter Pasteur Moïse Mbi, nous, on ne sait pas. Oh là là. Nous, on va faire une surprise avec l'invité qui est en train de nous écouter d'ailleurs. En plus, bon, vous savez, je ne sais pas pourquoi vous les chroniqueurs, vous êtes souvent comme ça. Comment ça? Vous aimez surprendre les gens sur place. Voilà, j'ai suivi une émission comme ça. Vous êtes au fond. Donc vous êtes, on est obligé de construire. Vous êtes au front. Moi, je ne savais pas que vous alliez vous rencontrer. Mais vous êtes là, vous êtes au front. Donnez votre numéro de contact. Oui. Mon numéro de contact, c'est le 0999-712-484. Vous reprenez. 0999-712-484. Et le 085 0096-047. Voilà. Merci. C'était là le frère Rudy Bila avec qui nous avions parlé. Une grâce de l'Éternel, une bénédiction pour cette ville. Nous avons fini avec cette bénédiction et nous allons prendre une autre bénédiction. Derrière cette transition, nous prenons le frère Jonas Mukendi et puis on va devoir parler avec lui. Merci à Aldison Orphée Dikomeno. Nous sommes toujours dans cette troisième partie de notre émission. Comme nous vous avions dit, nous allons avoir des invités. Le deuxième, il est déjà là, comme vous êtes en train de le voir. Il est connu à Lubumbashi. Il s'appelle le frère Jonas Mukendi, que nous sommes en train de saluer. Bonjour, papa Jonas. Bonjour, papa Cédric. Bonjour à tous les peuples de Dieu qui nous suivent en ce moment. Que la grâce et la bénédiction de Dieu vous localise de partout où vous nous suivez. Vous allez très bien? Super bien, par la grâce de Dieu, on est vraiment gracieusement. Oui, Dieu fait grâce. Allez, nous allons devoir aussi vous demander de vous présenter, parce que quand je parle du frère Jonas Mukendi, Dieu mouche. Batabayoué, qui il est. Ah oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, papa et Cédric. Pour ceux-là qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Jonas Mukendi. Par la grâce de Dieu, je suis auteur-compositeur et. Je suis né de nouveau, je suis né dans une famille chrétienne où moi-même je suis le fils aîné. Nous sommes dans une famille de 12 personnes et par la grâce de Dieu nous vivons dans une église de la place qui est l'Assemblée chrétienne source de vie que je salue d'abord en passant derrière mon père, mon pasteur qui est le pasteur Timothée Kasongo et je bénis tous les peuple de Dieu, de l'Église Assemblée chrétienne source de vie. Et là, nous exerçons dans plusieurs... nous avons plusieurs casquettes quand même. Je suis le président de la musique. Nous sommes aussi, par la grâce de Dieu, orateurs, nous exhortons, nous faisons presque tout, conducteurs des cultes aussi. Donc voilà un peu,
Donc ça veut dire un jour nous allons vous recevoir comme orateur. N'empêche, nous sommes tout à fait. Ah oui. Voilà, frère Jonas, vous évoluez dans un groupe que vous avez ou bien au sein de l'Église? Bien sûr, hormis l'Église, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné une vision. Nous avons un groupe, un collectif qui est nommé Zoé Gospel Music, que je suis le visionnaire. C'est depuis 2019 déjà que nous avons fait sortir notre sortie officielle. Et depuis 2019, voilà. Vous avez déjà 4 ans. Ouais. Un enfant de 4 ans, il est déjà à l'école. Donc Tout à fait. Je crois qu'il est déjà à l'école et c'est comme ça, on évolue. Je suis le visionnaire de ces groupes et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à évoluer par la grâce de Dieu en suivant les mouvements aussi de la grâce de Dieu. Voilà. Voilà, le groupe, vous n'avez pas donné le nom? Ah oui, le groupe, c'est nom Zoé Gospel Music. Zoé. Ah voilà, Zoé. La vie de Dieu. Zoé, ça signifie quoi déjà? Zoé, c'est la vie de Dieu, donc le souffle que Dieu a pu mis dans l'homme, que nous, je crois, c'est pour ceux-là déjà, je ne voulais pas amener ici les théologies ici, grecques et tout, mais je crois que ça vient du grec, c'est le mot qui est beaucoup plus bien significatif, Zoé, qui signifie les souffles, la vie. Et donc nous sommes les porteurs du souffle, nous sommes les porteurs de la vie de Dieu, alors nous transmettons cette vie au travers de la musique, les gospels qui est l'évangélisation, donc nous évangélisons la vie de Dieu au travers de la musique. Voilà, Zoé Music, déjà 4 ans d'existence, vous avez déjà un album, combien de célébrations déjà, ou bien vous limitez à des albums seulement, ou vous faites aussi des concerts ou... Je crois, peut-être pour bien expliquer, bien que la vision était venue avant, mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons eu quand même à réaliser, nous avons eu à faire un concert, qui s'était passé au moins, je crois, dans l'année 2019. 2020, c'est quand il y a eu maintenant des COVID-19, je crois. Ça nous a vraiment beaucoup plus coincés, on n'a pas eu à se produire. Voire même 2021, ça a tâtonné. 2022, on a essayé de nous relancer, mais quelques situations qui nous ont vraiment été surgies, mais on n'a pas pu vraiment aller. Alors, nous comptons vraiment pour cette année, par la grâce de Dieu d'hier, c'est déjà un projet, nous aurons à parler de ça. Et nous avons aussi mis déjà sur les médias quelques morceaux de nous, quelques chants pour nous, par la grâce de Dieu. Donc voilà, nous avons eu déjà à avoir un maxi single qui contenait déjà 3 titres, et ce qui s'intitulait « Mungu ni Mwema ». Et c'est avec ces chants qui nous a fait sortir. Déjà, je crois, déjà dans 2019, déjà, nous avons eu à nous lancer comme ça. Et là, déjà, nous sommes en train de préparer un album que nous avons déjà commencé depuis 2022. Et déjà, nous avons déjà les titres phares qui parlent de Dieu de l'impossible, parce que l'album est intitulé « Dieu de l'impossible ». Déjà, le chant est déjà à consommer. Déjà, certaines personnes sont en train de consommer. Et nous continuons toujours encore à travailler là-dessus. Et déjà bientôt, là, il y aura aussi quelques ajouts de l'album et qui vous sera aussi balancé bientôt. Voilà. Est-ce que nous pouvons aussi faire goûter vos chants à nos téléspectateurs qui nous Tout regardent? À fait. D'ailleurs, je vais vous proposer que vous puissiez prendre Dieu de l'impossible parce que c'est de ça qu'il s'agit pour le moment. Voilà. Ils vont aussi retrouver ça sur YouTube. Tout à fait, sur YouTube. Dieu de l'impossible du groupe Zoé Music que nous vous proposons ensemble avec le frère Jonas Mukendi. Regardez, on se retrouve juste après. Tout ce qu'un homme ne peut faire et tout ce qu'une main ne peut refaire, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Où un homme ne peut arriver, car il n'a que toi pour dériver. C'est là que tu es, c'est là que tu es.
Jonas, merci pour ce titre. Je vous remercie. Pour avoir béni les enfants de Dieu. Merci, je vous en prie. On est presque en train de chuter. Quels sont vos projets que vous avez ou un message à donner au peuple de Dieu avant que l'on ne revienne au frère Rudy? J'avais promis une surprise. Vous n'étiez pas là. Il y a une surprise. Vous le voyez? C'est ah oui, voilà. Donc, vous connaissez? C'est vraiment une famille. C'est vraiment... un frère pour moi, donc en Christ, on est vraiment heureux. Ah, voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Là, voilà. D'abord, vos projets et aussi un message pour le peuple de Dieu. Ah oui, merci beaucoup, Papa Cédric. Nous sommes en train de travailler sur un projet. Alors, ces projets-là, c'est comme je venais de le dire, nous sommes en train de travailler sur un album qui va contenir 5 titres. Et nous avons déjà les titres phares là qui venaient de suivre Dieu de l'impossible. Et je vous assure, il y a tellement de bonnes choses et de belles surprises qui vont vous être vraiment être balancées bientôt là. Donc tout ce que nous vous demanderons, c'est de nous soutenir, non seulement matériellement, si vous les sentez aussi les besoins de les faire, faites-les. Et nous vous demandons vraiment de nous soutenir aussi spirituellement, parce que cette œuvre, ça demande beaucoup plus qu'il y ait aussi des personnes qui peuvent aussi prier comme... Pierre s'est senti un jour être emprisonné, mais l'Église priait pour lui. Pour que, je prie que aussi vous également, vous puissiez faire la même chose afin de nous soutenir, surtout dans cette œuvre. Ça demande beaucoup de choses. Pour ceux-là, déjà des artistes et même des pasteurs qui ont aussi passé par la musique, qui comprennent aussi des réalités que nous sommes en train de vivre et tout. Voilà, nous vous annonçons déjà que l'album, peut-être par la grâce de Dieu, sera fini pour cette année. Et hormis ça, nous vous préparons aussi à une très grande célébration, qui est un concert que nous aurons à célébrer ensemble avec vous, à livrer au mois d'août par la grâce de Dieu, qui plaise à Dieu vraiment que ça puisse se passer au mois d'août. Et la date et les lieux vous seront vraiment communiqués après. Voilà, merci beaucoup à Papa Rudy et Papa Jonas. Est-ce que vous pouvez donner les numéros de contact? Voilà, mon numéro, mon numéro, plus 243. 344-02-88 plus 243-99-344-02-88. Merci beaucoup. On a encore un petit moment. Nous allons un peu discuter par rapport, je ne sais pas, aux difficultés que vous avez. Nous allons parler de la musique chrétienne à Lubumbashi d'abord. C'est quoi généralement des difficultés? Parce que quand on reçoit les musiciens, ils partent toujours des difficultés. On va commencer avec le frère Rudy. C'est quoi vraiment les vraies difficultés et comment relever ces défis? Merci vraiment pour cette parole. Généralement, je n'aime jamais entrer dans ces débats. Hier, j'étais en train de suivre une émission. Sur un groupe dont je mettais les noms, on a parlé de ça encore hier. Moi, je trouve que la Bible dit « Nul n'est prophète chez soi ». Si vous allez voir les musiciens de la place ici en train de souffrir, ce qui est vrai, on ne fait pas confiance aux musiciens de la place. On sait faire confiance aux musiciens qui viennent d'ailleurs pour découvrir que votre enfant a ses talents. Voilà, j'étais en train de découvrir quelque chose sur la différence qu'il y a entre le leadership anglais et le leadership français. Le leadership français demande à ce que vous ayez un diplôme, mais le leadership anglais vous pousse à faire ce que vous connaissez. Ici chez nous, quand vous connaissez, on a comme impression que vous ne connaissez pas. Pour vous, il vous faudrait avoir un papier qui atteste que vous faites ça. Si quelqu'un vient de Kinshasa, là on sait comprendre qu'il vient de faire une musique et il a un papier pour ça. Et il peut mieux se défendre quand il vient ici dans une célébration, une très grande manifestation. Il peut mieux se défendre. Par contre, ici chez nous, quand on n'a pas de papier, en tout cas, il faudrait d'abord étudier et faire tout ce qu'il faut faire pour répondre au goût, par exemple, de l'Église. Voilà, je reviens maintenant à votre question. Les difficultés que nous avons ici, généralement, c'est que les pasteurs ne font pas confiance aux musiciens. Ils ne font pas confiance. Et
par le fait qu'ils ne savent pas faire confiance, ils doivent faire confiance aux gens qui viennent des erreurs. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a chaque musicien qui est en train de se débrouiller à gauche, à droite. Et je vais vous surprendre, même vous choquer, si vous allez comprendre. La plupart des musiciens qui sont visibles aujourd'hui, ce ne sont pas les chaînes de télévision qui leur ont promu. Ils se sont fait un nom d'eux-mêmes, justement parce qu'ils étaient dans une manifestation. Je prends par exemple le nom de mon frère Jonas. On s'est connu, c'est dans des manifestations. On s'est croisé dans des manifestations avec le frère Jonas. Et à un moment donné, on pouvait se croiser sur les affiches qu'on a postées sur les réseaux sociaux. Et voilà, aujourd'hui, on se connaît. On peut s'écrire, on s'appelle et on s'invite également. Voyez. La seule difficulté, c'est que si le pasteur peut bannir cela, nous n'allons plus vivre dans cette difficulté. Je crois que c'est la seule difficulté qu'il y a. Faites confiance aux musiciens qui sont avec vous ici. Peut-être ils sont mieux placés pour apporter ce que vous êtes en train de chercher. Papa Jonas, par rapport à ce qu'il a dit à faire confiance, ne pensez-vous pas que c'est vous-même, musicien, qui ne vous donnez pas cette crédibilité pour que les gens vous croient? Si on ne fait pas confiance, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas de votre côté. Bien sûr. En tout cas, je crois que je dois aussi rejoindre un peu l'idée de Papa Rudy. Je crois que nous rencontrons vraiment beaucoup de difficultés ici, pratiquement ici à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, bien sûr, tellement que, comme il venait de le dire, d'abord, l'une des choses, d'abord, dès le départ, c'est la confiance. Hein. Il y a plus vraiment de confiance dans les fiefs, surtout des pasteurs. Vous avez abusé ou comment? Bon, je ne sais pas, peut-être si il y a eu quand même ceux-là qui ont eu abusé. Ouais. Mais nous sommes de ceux-là quand même qui peuvent aussi distinguer. Okay. Nous pouvons quand même, nous ne faisons pas peut-être partie de ça, bien que même ceux-là qui peuvent aussi douter. Mais nous connaissons aussi, nous connaissons de nos pieds où nous sommes tellement vraiment foulés dans Jésus-Christ. Je crois que peut-être il y a certains aussi qui ont y a passé, ils ont y abusé la confiance. Qu'on venait, et comme Papa Rudy venait de dire, peut-être dans des églises, et peut-être ils ont y a fait ça. Mais je ne sais pas, mais je commence un peu à comprendre que ces derniers temps, quand même, parce qu'il y a quand même de nos aînés, je vois quand même ils sont beaucoup ouais. plus maintenus dans des églises. Musique, oui, je m'étais peut-être, si Pépé voulait permettre de les citer, ils sont là, oui, on travaille avec eux. Oui. Ils sont en train de travailler avec des pasteurs dans des célébrations. Il ne manque pas aucune célébration ici à Lubumbashi, dans des grandes églises où je parle, et même dans des marathons, on les invite. Donc ça, je crois que c'est question aussi peut-être aussi des temps, si peut-être on ne vous accepte pas. Il faut aussi accepter. Si on ne vous accueille pas, on ne vous fait pas approcher, c'est question aussi de ça. Mais quant à ce que Papa Rudy a dit, la confiance, bien sûr, parce que moi, je connais de la bouche d'un homme de Dieu, d'un pasteur ici connu, il me parlait de certains artistes, de certains aussi ceux-là qui ont donné du poids en tant qu'artistes, ils ont y abusé d'eux. Ça, c'est vrai. Voilà, ils ont y abusé d'eux. Vous voyez, peut-être. Le témoignage de ceux-là, c'est tombé aussi sur nous là. La seule tomate pourrie a fait pourrir toute. Tout à fait. Mais cela n'empêche même en ces temps, au même moment où je vous parle, il y a aussi de ceux-là qu'on fait aussi, qu'on fait toujours confiance. Et on continue aussi à les soutenir dans ce sens-là. Voilà, c'est un thème qu'on aura à parler dans les jours à venir. Je vous dis pratiquement merci parce que vous représentez, par rapport à cette question, vous représentez tous les musiciens louchois qui sont en train de nous regarder parce qu'ils ne peuvent pas être tous ici sur le plateau. Avant que l'on ait fini, la surprise, je ne peux pas l'oublier. Ou bien je vais faire de ma manière. Moi, je vais devoir déjà dire au revoir à mes téléspectateurs qui sont en train de me regarder et les laisser entre les bonnes mains de Papa Jonas et Papa Rudy qui vont faire quelque chose. Merci à vous tous de nous avoir regardés, surtout à vous qui nous avez aussi regardés à partir de Facebook. Merci à vous tous qui nous regardez à partir de Kinshasa, à partir du Cameroun. Là, je suis en train de saluer la téléspectatrice fidèle du Cameroun. Elle s'appelle Clémence, en train de nous regarder. Elle nous écrit toujours. Elle suit toujours cette émission. Merci à vous tous. Merci
Steve Michaï, qui a été derrière toutes les caméras ensemble avec Sami Massoudi. Merci à Orphée du Komeno, Aldison Kamonji. Merci à Osek Riki. Merci au DG Kashikishi. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Nous comptons vous retrouver prochainement avec la même détermination. Moi, je dépose les micros et je vous laisse entre les bonnes mains de nos invités. Furani moyoni mwangu bwana. Yesu ananipenda leo sawa chana. Anatenda leo sawa chana. Yesu ni rafiki wangu mwema. Ananipenda, ananilinda, ananichunga mimi na kuniongoza. Ananipenda, ananilinda, ananichunga mimi na kuniongoza. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, yes, wewe ni mwema, oh, wewe ni mwema, wewe ni mwema, yeah. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Yesu ni mwema, Yesu ni mwema, Baba ni mwema, Baba ni mwema, aleluya, wewe ni mwema, Yesu ni mwema, ni mwema, ni mwema, oh, ni mwema, Papa bidi Yesu ni mwema, ni mwema, ni mwema, ni mwema, ni mwema, ni mwema, oh, Yesu ni mwema, Yesu ni salama, salama, salama ya maisha yangu, salama yangu yote, ni salama, sema kona we, Papa bidi ni mwema, oh, ni mwema, ni mwema, Yesu ni mwema, oh. Sitakuwa chakamwe, sitakuwa cha, oh, sitakuwa chakamwe, sitakuwa cha, oh, baka. Badirishe maisha yangu Yesu, paka ubadirishe maisha yangu Yes Lord, sitakuacha kamwe, sitakuacha, haleluya, sitakuacha kamwe, sitakuacha, yes, paka ubadirishe maisha yangu Bwana Yesu, paka ubadirishe maisha yangu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Safari hawakufika.